bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, c'est Rémi. On va attendre un peu qu'il y a des personnes sur le live, hein, avant de commencer la petite scène. Donc j'espère qu'on va me dire s'il y a des gens, des personnes. On va attendre, hein, on a un peu de temps. Donc voilà. Le Marion, donc ça va être une scène assez humoristique, hein. Hyper. Voilà. Alors donc je vois pas combien de personnes, mais il y en a déjà. Deux personnes. Bon, trois. Bonjour à tous, hein. On monte. Bah, bonjour à tous, bonsoir, hein. Salami. On attend un petit peu quelques instants le temps que vous arrivez sur le live. Voilà, donc ça va être un live humoristique, hein, vraiment sur le thème du confinement. J'en rigole déjà d'avance. Voilà, avec le soleil du Nord, hein. J'espère que vous prenez bien l'apéro. Donc, on a combien de personnes? 26, 27. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que l'apéro se passe bien. Vous avez passé une bonne journée. On attend encore quelques instants. Margot qui te dit « Allez mon grand, éclate-toi ». Merci Margot. T'inquiète pas. Ça fait au moins 10 répétitions qu'on fait. On va attendre encore quelques instants et puis on va démarrer. Fais une petite dédicace pour l'anniversaire de Pierre de Kerl. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, Pierre, je te souhaite un agréable anniversaire, hein. Même si c'est avec ce beau soleil et ce virus, ce foutu virus. Donc bon anniversaire, hein, surtout. Profite bien. Bon, on va encore attendre quelques instants. Et puis, on va débuter la scène. Donc voilà. On va commencer ? Voilà. Alors. Eh bien bonsoir à tous, c'est Rémi Goutsmet, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai 16 ans, je suis élève au lycée hôtelier du Touquet, hein, j'adore la cuisine et le service. Alors en dehors du lycée j'ai une passion, j'ai différentes passions qui sont le théâtre, hein, d'où en ce moment même. Nous avons la musique aussi que j'adore et le basket. Alors, sinon, en attendant, donc là, je vais aller un peu sur le site, la page Facebook, c'est un vrai Billy Mercredin, hein, pour voir un peu vos commentaires, tout ça. Donc, là, par exemple, il y a quelques blagues. Alors, là, par exemple, hier, j'ai demandé à mon chat, c'était quand la fin du confinement? On m'a répondu mi-août. Bon, j'espère pas, franchement, j'espère pas. Hein, hâte de retourner au lycée. Mais, voilà, ça peut être... pas mal. Alors ensuite, avant toute chose, désolé, mais pour les hommes infidèles, il faudrait rendre une minute de silence. Parce que franchement, quoi, rester avec votre femme pendant tout le confinement, c'est assez chaud quand même. Donc courage à vous, hein, surtout. Alors ensuite, nous avons quoi? Nous avons, ah bah tiens, messieurs, et mesdames, mais plutôt messieurs. Vous voulez une soirée mousse chez vous, sans sortir de chez vous. Vous m'appelez avec votre femme, on organise tout ça. Alors, soirée mousse excitante et sensuelle. Votre femme m'appelle, vous faites un énorme banquet. La soirée mousse commence avec la vaisselle. C'est superbe. Allez, contactez-moi, je vous attends. Et puis après, nous avons aussi... alors moi, je suis resté confiné 6 mois et demi dans le ventre de ma mère. D'autres 8 mois, 9 mois, hein, d'autres qui sont arrivés à terme, tout ça. Donc voilà. Alors par contre, je vous reçois un appel. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est bien Rémi. Et à qui ai-je l'honneur? Monsieur X, d'accord. Oui. Vous vendez des masques? Du gel hydroalcoolique? Oui, oui, je suis bien hypochondriaque, je ne peux pas... Oui, j'ai peur exactement des virus, tout ça, des allergies. Et vous pourriez m'en vendre, d'accord.
Dans combien de temps et où? Au Fruit de la Passion à Billy Berclos? Dans 10 minutes. Parfait, j'y serai là. Oui, c'est bon pour le paiement, vous inquiétez pas. A tout de suite. Un certain monsieur X qui m'appelle pour des masques et qui ne peut pas supporter les maladies, donc on va s'habiller en commando. Donc, avec un petit sac, avec l'association Un Autre Regard, n'hésitez pas à faire votre. À aller voir sur leur page Facebook. Alors, on va s'habiller vraiment en commando, on va passer par les bois pour que personne nous reconnaisse, surtout. Hop, alors. Le petit t-shirt vert kaki. La casquette. Alors je vais mettre. Voilà. Et puis là, on va partir dans les bois vraiment pour pas qu'on se fasse remarquer. Donc, suivez-moi, on est parti. Alors, j'ai pas d'attestation sur moi, donc j'espère pas qu'on va me voir, surtout. Bon, le soleil du Nord, il fait très chaud, franchement. Donc on va enlever la casquette, hein. Et puis là, on va partir dans les bois, donc on va essayer de faire un minimum de bruit. Donc là, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Parce qu'on ne sait jamais avec quoi qu'est-ce qui peut se passer. Ok. Ok, on laisse les défaits, on va juste le refaire vite fait. Et puis voilà, bon. On va éviter de crier comme ça surtout. Donc là. Je reçois encore un appel. Alors attendez. Oui, allô? Oui, Cédric, ça va? Très très bien. Le confinement, comment ça se passe? Bon, écoute, là je vais faire une petite balade dans les bois, je vais me réapprovisionner. Ce spectacle plus tard. La pizzeria Angelo fait des livraisons. Bon, ça m'intéresse, oui, pour ce soir, oui, si tu veux. Oui. Tu peux me faire une hawaïenne s'il te plaît avec un supplément d'ananas comme d'habitude. Merci beaucoup, allez, ciao. Bon voilà, la pizzeria Angelo fait des livraisons, alors ça nous intéresse. Hein. Allez, on est reparti. Alors en temps normal je ne toucherai pas les feuilles, mais il faut bien se déguiser. En arbre. Je suis un arbre. Donc là, on cherche Monsieur X. Hein, on va presque arriver au Fruit de la Passion à Billy Berclos. Ok, j'ai vu une ombre. On va s'en approcher. Ok, venez là. On a à côté du Fruit de la Passion. Je vais préparer le sac à dos au cas où. Récupérer directement les amis, les éléments. T'es là? Ouais, je suis là. Ouais, t'as quoi? J'ai des masques, des gants, du gel. Ouais. T'as ce qu'il faut? Ouais. Tiens, passe. Ok. Alors, je vais mettre le gel. Je le gèle directement. Dans le sac à dos. Attends. Hey, quoi? Je veux pas, hein. Non, t'inquiète. Attends. Ça viendra. Dépêche-toi, j'ai vu les condés dans le coin. Ok, tiens. Là, tu rigoles, c'est quoi ça? Du PQ, ça devient rare. Ouais, bah, donne-en alors. Tiens. Ouais. Allez, dépêche-toi. Ouais. Ok, bon. On va un peu avancer. Il y a plein de poussière. Le voleur. Allez, viens. On va mettre les gants. Alors, surtout, pas se faire repérer par la police. Alors attendez, hein.
Okay. On a la police! Monsieur, contrôle d'identité! Monsieur! Oui? Monsieur, contrôle d'identité, s'il vous plaît? Ah, alors moi, c'est Rémi Goudsmet. Je suis humoriste. Ah, et sinon, vous faisiez quoi là? On est en confinement, monsieur? 1 heure par jour, 2 balades, c'est autorisé. Je peux voir votre attestation? Elle est sur mon portable, tout de suite, monsieur. Alors attendez, j'ai perdu mon portable. Ah non, attendez, j'ai plus de batterie, c'est vrai. Oui. Mais monsieur, c'est dommage. Ben, sinon vous faisiez quoi dans le bois? J'ai été voir des femmes là-bas, quelques femmes. Quel genre de femmes, monsieur? Des femmes de Pigalle? Bon, alors attendez. Je vais chercher les documents et j'arrive tout de suite pour l'amende. Ok, oula, attention, il est parti, il faut vite partir. Ok. Ok. On va attendre. Il s'est retourné à l'église. Ok. Bon. J'ai plein d'égratignures, c'est pas grave. On va attendre juste là quelques instants, le temps que. Qu'on se fait pas repérer. J'entends le moteur de la voiture, ils m'ont peut-être oublié. Les gens me disent que je suis hypochondriaque, mais en fait, c'est les personnes qui me rendent fou, hein, clairement. Franchement. Bon. Ok. On va y retourner. Vraiment que je me désinfecte en me lavant. Hein. J'entends encore de plus en plus la route. Ok. Je crois qu'on les a semés. Bon. On va balancer le sac avec le contenu et c'est parti. Après quelques obstacles, on y est arrivé. On remet la casquette. Et on y va. Ok. Oh non, non, non! Ok. Encore des égratignures. On y va. Ok, on est arrivé. On va enlever le gant, le masque. Hop. Toujours l'odeur de cette poussière. On va enlever les gants. Je les désinfecterai avec le gel. Hop. Comme je l'ai dit, on va prendre une douche. Alors, gel hydroalcoolique. Ainsi que la biafine. Ok. On va allumer la douche. Ok. Ah ok. Bon. On va s'abonner. Mettre un peu de biafine quand même. Alors. On va redemander un peu d'eau à la douche. Ok. Bon. On va se sécher globalement. Avec le soleil du nord, on va sécher vite. Hein. Ok. Bon. Voilà. On va se mettre directement, je pense, en pyjama. Alors, bon. La serviette, c'est pas grave. Hein. Alors, en attendant, je vais vous dire une petite blague. Alors, pour les fans de Disney, dans le film Zootopie, il y a Flash, hein, qui est franchement rapide, qui dit qu'est-ce qu'un chameau à 3 bosses? Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez? Dites-le moi là en commentaire. La caméra va me dire s'il y a quelqu'un qui répond. Le temps que je m'habille, parce que
Avec mes abdos, ça va pas le faire. Personne qui me dit ça? Eh ben c'est simple. Une chamelle enceinte. Ça peut faire rire certains. Mais ce flash, franchement, il est superbe. D'ailleurs, pour mes cheveux, faudrait peut-être que je passe chez Tempo Coiffure ou Frimousse. Parce que ça ne va plus. Alors, nous allons prendre au cas où le gel hydroalcoolique. Ok, bon. On va s'asseoir encore sur cette chaise. Quelle journée! Ok. La casquette. La capuche au cas où s'il pleut, même si les nuages sont gris. Et on va remettre du gel un petit peu. Hein. Hop. Quoi? Il n'y en a plus. Mais. J'ai tout utilisé sous la douche. Ça m'apprendra, tiens, à sortir. Donc en fait, il vaudrait mieux rester chez vous et ne pas sortir. Alors maintenant, donc, la scène est terminée. Donc j'aimerais remercier Marie-Anne qui m'a contacté pour faire ce petit sketch. Alors ensuite, il y a Sandra qui se reconnaîtra, qui m'a aidé à développer la scène entière. Et Elina qui m'a aidé pour faire la chute, donc ça veut dire avec la police qui arrive et le temps qu'ils sortent les amendes, tout ça, moi je m'en vais, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc on va rester encore quelques instants en live. Mais avant tout, j'ai oublié quelqu'un, c'est tous les aides-soignants qui travaillent dans les hôpitaux, les routiers, les personnes qui réapprovisionnent les magasins à l'intérieur même, donc les caissiers, tout ça, toutes ces personnes, un grand merci parce que sans vous, on n'y arriverait pas. Voilà. Et puis même pendant ce confinement, avec les frères, tout ça, ça va pas. Parce que, imaginons, alors je vais refaire la scène de il y a 2 jours, le matin. Vous êtes en train de jouer à la play, tranquillement. Et puis là, le petit frère qui arrive. Tu me passes la manette. Pourquoi je te passerai la manette? Je veux jouer à Minecraft, il y a Call of Duty après. Mais t'avais qu'à te lever avant. Il est 10h et je joue déjà. Oui, mais c'est moi que je commande ici. D'accord. Et il n'a que 8 ans. Et oui. Donc maintenant, voilà, donc c'est fini. Donc si vous avez des choses à nous demander, bah voilà, je peux dire encore discuter encore quelques instants avec vous. Merci tout. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui ont visionné et assisté à ce live. J'espère que ça vous aura plu. À la page de Billy Berclos aussi qui m'autorise du coup à être en live. Donc merci. Voilà, donc maintenant bonne soirée à tous, hein, bon apéro et puis portez-vous bien. Allez, ciao.